fais pas ça maintenant. Ah ouais, tu veux te laisser en spirale? Bah le rebord tu lisses en fait, tu vois. Ah remarque, ça dépend si c'est un rebord à plat comme ça. Bah tu vois, faut pas que je m'arrête. Après ce que tu peux faire, tu vois, tu prends ta matière en début. Ouais. Et tu la gardes dans ta brosse et tu la pousses. Ça, ça va être bien. Non, non, c'est bien. C'est celle qui s'occupe de l'aspect topologique. Avec la queue du papier, tout à base de papier, avec nos savoir-faire, carton, pierre et feuilles de papier, avec Design Miami que nous avons eu la chance de faire avec Dimitri, où on a proposé une scénographie, une pièce immersive, qui est faite entièrement de carton, pierre et de papier découpé. Keeping it live, only a strong mind survive. A controller of the rhyme since the age of nine. Now two of a kind, soon the best of all time. I design each line with prime intuition. A crime to decline this rhyme expedition. KO, definitely the definition. Moving you out of position, out of commission. I was born 6-18-74. Bringing life to this mic like never before. Specializing in rhyming and beats that blend. Been friends with the pins. Et là, ce qui nous intéressait, y compris là, vous avez au fond, vous voyez une causeuse, enfin, voilà, qui est en draperie de carton-pierre. Voilà, et donc. L'idée de cette scénographie, c'était de montrer aussi la métamorphose de la matière et puis de prouver aussi une petite chose, c'est que bah, on pouvait faire une scénographie de 25 mètres carrés en 10 jours et en transportant tout sans forcément battre des records de pollution, etc. Puisque la totalité de la scénographie pèse 400 kilos avec 9 colonnes de 1,50 m, etc. Enfin voilà, donc il y a un vrai intérêt aussi. À utiliser ces matières quand elles sont utilisées avec raison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit.